son visite de terrain, on travaille, côté que nous venons lancer un programme d'ensemencement de lac dans le pays. Et comme nous connaissons que tout les temps plan d'eau, c'est propriété de l'État qui est, c'est des zones protégées qui dépendent du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Agriculture. Dans le cadre de la mise en œuvre un programme de création d'emplois et de favoriser l'économie locale, nous pensons que nous devons renforcer la capacité pour être capable non seulement de capacité pour faire commerce, mais en même temps pour nous capables de protéger l'environnement. Donc dans le cadre de ça, avant que nous rentrions plus profondeur sur le programme, ça, nous capables de passer nous à ingénieur cubain, hein, parce que c'est un bagage qui est soutenu par la coopération cubaine. Nous avons un ambassadeur cubain avec nous là, qui est capable de nous plus d'explications sur l'activité hein, techniquement qui s'est fait là directement. Bueno, hoy estamos concretando una idea que inició hace aproximadamente dos meses con un recorrido que hicimos a los lagos de Ocay. Bueno, nos acompañó Clark y el técnico. Se hizo un levantamiento de los lagos. Vimos los niveles de alimentación, los niveles tróficos de los mismos, la dimensión que tenían, y se evaluó a razón de 2.500 animales por hectárea, que es la densidad de siembra que lleva. Y bueno, hoy estamos concretando la siembra de uno de esos lagos. Los estamos sembrando con 20.000 tilapias rojas, tilapia roja pura, y el objetivo principal es, como hablamos anteriormente en la primera ocasión y en esta, que hay que proteger esas semillas. Hoy son alevines de 6 gramos de peso promedio, pero dentro de 3 meses ya se están reproduciendo, se reproducen. Para que tengan una idea, una hembra, proporcionalmente en punto de vista natural, hay una proporción del 50% hembra y 50% macho. Para que tengan una idea, una hembra proporciona al año 2.500 larvas. Es decir, que si estamos matando una hembra hoy, estamos matando 2.500 animales futuros. Por lo tanto, hoy es una prioridad proteger estos alevines hasta que se reproduzcan, y dentro de un año ya podemos ir cosechando animales con talla de más de 250 gramos de peso. Y garantizamos el futuro porque la descendencia viene detrás. Es decir, que si manejamos bien esta siembra de 20.000 animales que hemos hecho hoy, puede perpetuar y demorar bastante y comer bastante de esa producción que tenemos ahí. D'après technicien cubain, jodi an, c'est concrétisation d'une visite qui était faite ça fait 2 mois avec le ministère de l'Environnement et Claude Chevalier, un conseiller président Martelly, et avec la coopération cubaine qui a fait un inventaire de l'ensemble de lacs qui sont dans la zone et a gardé la capacité dans la question de reproduction de poissons. Et dans ce sens, aujourd'hui, nous venons pour nous faire premier ensemencement dans l'étang Lachaud, côté que nous avons plus passé 20 000 tilapia rouges et qui, dans 3 mois, nous allons commencer à reproduire. Et dans 10 mois, nous avons gagné une capacité pour multiplier presque par 10 quantités de poissons que nous avons là. Et dans 10 mois, nous sommes capables de commencer à pêcher une série de poissons qui pesait 2,5 livres. Là, nous considérons qu'un livre poisson actuellement là, avant presque 100 gouttes, nous sommes capables d'imaginer nous dans 10 mois, un grain de poisson qui a bien pu se passer 100 000 poissons en dans l'étang la chaux là, avec pêche là, nous sommes capables de voir combien les habitants autour de l'étang la chaux capables de pêcher tant que capables de rentrer cob dans la question ça. Donc objectif là, c'est en ce moment c'est tout l'étang qui gagne dans le coup de studio, et nous pour aller jusqu'à la Kawan, les mêmes qui gagnent l'autre approche et que nous pour adopter de lui-même. Et donc nous commençons aujourd'hui avec l'étang la chaux. Nous avons pour nous poursuivre avec l'étang la Bode et tout l'autre étang. Il y a 22 000 hectares de lacs. Ça veut dire avec des possibilités d'être semés avec des poissons. La plupart de ces lacs ont été déjà semés. Bon, mais il existe toujours la volonté, il existe la possibilité, même si nous travaillons avec le ministère de l'Agriculture, de travailler avec le ministère de l'Environnement aussi, parce que ce sont transversales, ce sont des ministères transversales, donc ils sont beaucoup à voir en commun. Pas de la coopération est disponible, mais dans tous les lacs. Mais ça sera au fur et à mesure, et comme le ministre vient d'expliquer, si dans 10 mois, nous aurions une quantité énorme
des poissons et des petits poissons qui sont là, peut-être à partir de là, on pourrait établir une espèce de... créer une espèce de laboratoire sans pour semer aussi dans les autres lacs du département. Donc, c'est comme ça que je pense qu'on doit travailler. Je pense qu'on a bien commencé. Et nous remercions parce que pour nous, la chose la plus satisfaite, c'est d'avoir des résultats dans les thèmes de la coopération. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons démontré un grand pas. Nous avons donné un grand pas. Nous avons démontré que la coopération va dans le bon chemin. Et c'est ce que nous espérons aussi du ministère de l'Environnement. Le ministre aussi de l'Environnement qui aide le gouvernement Martelly-Lamotte à aller vers la vision qui est d'aider le peuple. Et aussi, j'aimerais sauter sur l'occasion pour remercier le délégué départemental du Sud, M. Serge Chéri, qui nous a aidés à faire la coordination, et le maire aussi, M. Télusma, qui a répondu assez vite à l'appel, puisque je pense qu'ils ont été contactés seulement 48 heures avant cet événement, puisque c'était difficile de le mettre ensemble, mais ils ont quand même un mérite dans ce qui se passe là aujourd'hui. Et M. l'ambassadeur, je vous remercie, parce que quand nous vous avions appelé pour nous aider, à trouver une solution pour le Sud, vous étiez là, vous étiez présent. Merci. Okay. Encore une fois, Haïti vous remercie et le peuple du Sud aussi. Vous pensez que la question environnement, pour nous résoudre, il faut que nous favorisions la création de richesses. Il faut que le niveau social et économique soit capable d'augmenter pour nous capables de réhabiliter tout autour de l'étang. Il y a des gens qui sont capables de dire ça, ministre de l'Environnement, fait une question. Ça, nous avons deux bagailles que nous faisons là matin. Et il faut que nous disions que l'étang là chaud, ensemble l'étang qui est dans la zone pleine dans la boîte cocoïe, etc., c'est des zones côté que les oiseaux migrateurs ont toujours fait escale leur vie en Haïti. Dans l'accord, dans la convention que le pays d'Haïti signé avec l'autre pays, nous avons une responsabilité pour nous protéger les oiseaux saillants les deux passages. Alors que une bagaille qui mettait vis oiseaux saillants en danger, c'est la dégradation qui existait autour de l'étang et dégradation ça qui m'a connu directement avec le niveau de vie mounio et qui a vivre autour de l'étang. Donc en ce moment ça va permettre que le niveau de vie mounio économiquement levé et protéger les oiseaux. Donc activités ça sont activités qui permettent que Haïti réponde de manière favorable par rapport à l'accord que Haïti signé avec l'autre pays pour protéger les oiseaux migrateurs, en même temps qui pourrait permettre que nous augmenter la capacité économique mounio et nous fait que mounio qui n'a plein dans la yo joine protéines pour mettre dans manger que ti mounio capable manger mieux parce que poisson qui dans l'étang il pral non seulement pêcher pour commercialiser mais moun qui pral pêcher là il pral faire consommation familiale là-dedans tout. Donc son bagay intégré de protection intégré environnement j'en nous dit là. Question environnement, ce n'est pas fait pour bel petit oiseau, mais c'est fait pour nous capables de lever le niveau de vie. Nous avons réussi à faire 7000 tonnes de poissons, nous avons bien besoin en vie en moyenne entre 40 à 50 millions de poissons et avec une capacité de production de 10 millions et par mois de larves. Et actuellement, dans le pays, il y a une seule station de production qui existe dans Ponsondé, qui est seulement sous 1 hectare, qui a une capacité de production de 1,2 million de laves. Et que pour nous réussir à produire 7000 tonnes chaque année, il faut que nous ayons au moins deux autres stations. Et la proposition dans le cadre du programme, c'est de gagner une zone Miragouane pour tout le Grand Sud là et ta gen youn dans plateau central pour tout plateau central et zone Grand Nord là tout près la Cajuille. Si nous réussissons à mettre ça en place, c'est une capacité que n'a bail de produire protéines au moindre coût puisque ça n'a pas existé et non seulement nous capable mettre capacité de production ça à travers la Cio mais nous capable faire dans lac artificiel. Et par exemple, dans un plateau central, nous sommes capables de faire un bassin là avec les gens pour permettre que les gens fassent des protéines. Et parce que pas gagner un coût de production, c'est une bagaille qui produit sans que les gens ne soient pas obligés à investir. Il suffit que feuilles manioc, feuilles patates, les gens finissent planter, etc. Tout résidu agricole, ils prennent, ils laguent dans de l'eau et c'est ça, poisson, ça va manger pour produire et les gens sont capables de manger poisson.